Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Direct Live Sigma France. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 8 avril 2021. Je suis Bertrand Guilleneuf. Comme à l'habitude, nous sommes deux maintenant à animer ces lives et on va accueillir tout de suite mon compère Damien le Lyonnais. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. Et puis bonjour Bertrand, très heureux de te retrouver. Eh oui, le week-end de Pâques était bon mais court. Et puis on se retrouve pour un direct live spécial nature, questions et réponses. Alors voilà, on va. Ah non, voilà, qui c'est qui a bougé ça? Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà. Un question-réponse, hein, comme vous en avez l'habitude maintenant en milieu de mois. Et aujourd'hui, il y aura une surprise. Un invité surprise répondra à nos questions en direct. Damien, t'es prêt? Je compte sur toi pour surveiller le chat. Oui. Hein, le chat est déjà ouvert. Il y a déjà les habitués qui nous ont déjà rejoints. Il y a déjà une première question qui tombe déjà en demandant si quand est-ce qu'on rejoint Fuji sur les montures. Bah, ça, on ne sait pas encore, mais on verra bien. Et on peut enchaîner du coup. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite en rappelant que le direct est rendu possible grâce à notre boîtier, le Sigma FP, le plus petit plein format du marché, le boîtier FP qui est équipé du capteur 24 millions de pixels. Alors aujourd'hui, moi, je l'ai couplé avec le 35-2, comme la dernière fois, et toi, je suppose, le 24-70. Et non, pas cette fois-ci. J'ai rejoué la carte avec le 35F2 Contemporary DGDN parce que j'ai pu enfin le récupérer. Je l'avais prêté au photographe Tony Noël, le fameux photographe lyonnais. Donc voilà, j'en ai privé maintenant et je peux l'utiliser. Et donc, vous remarquez, ben, on va avoir le même cadre hein, puisqu'on utilise la même optique. Je vous rappelle que ce boîtier FP a l'originalité de pouvoir se connecter directement à votre ordinateur sans interface supplémentaire et il apparaît immédiatement comme un périphérique d'acquisition vidéo. En ces temps de rester chez soi, en ces temps de réunion distancielle, eh bien, c'est une façon de vous démarquer de la concurrence hein, pour des négociations visio ou pour des réunions commerciales. Vous avez une très belle qualité de retransmission grâce au boîtier FP. Alors, avant de commencer, petit rappel des actualités de ce premier trimestre, Damien. Oui, il y en a eu quelques-unes et la dernière en date, c'est le Sigma, le FPL. Un nouveau boîtier. FPL, alors attends, parce que là, sur la photo, on dirait le FP, le même boîtier. Exactement, c'est le même châssis en tout cas, mais nos ingénieurs l'ont équipé cette fois-ci du capteur, le nouveau capteur, le 61 millions de pixels. Waouh! Oui, c'est impressionnant, c'est un très bon boîtier, très belle définition. Et sur le slide suivant, on voit Damien Bernal hein, qui a pu le tester, un fameux YouTuber hein, qui teste principalement beaucoup de produits plutôt orientés sur les montures Sony. Il a été époustouflé d'une part par la qualité de ce capteur, par ce rendu sur la colorimétrie, sur la beauté des couleurs et puis aussi sur la montée en sensibilité. Donc, vous pouvez retrouver directement son test. Et là, je vois que Foucault a déjà mis le lien directement. Merci
Merci à toi, Renaud. Alors, effectivement, Damien Bernal, vous pouvez retrouver sur sa chaîne et également, je crois, sur notre chaîne Sigma France YouTube. Je reviens sur la slide précédente parce qu'il y a un petit accessoire qui retient mon regard. Alors, je vais essayer avec le pointeur de la souris de vous le faire voir. Voilà ça. Explique-nous un peu ce que c'est, ça. Alors, ça, c'est un viseur, un EVF de son nom 21. C'est un petit viseur externe électronique qui va permettre de pouvoir l'utiliser en visée directe par ce petit viseur. Un 3,6 millions de pixels, vraiment bien défini, très lumineux et agréable, même pour les porteurs de lunettes. Voilà, donc on a tous hâte de pouvoir l'essayer et le tester. Alors, ce petit viseur additionnel, donc, qui est dans le haut de la fourchette, hein, puisque 3,68 millions de pixels, on est largement au-dessus de la moyenne dans les hybrides actuels. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il va être compatible, bien sûr, avec le FP, je crois, moyennant une petite mise à jour. C'est cela, oui, Damien? Oui. Il faudra faire une mise à jour firmware pour pouvoir l'utiliser sur son boîtier FP. C'est pour ceux qui l'ont déjà en main et qui n'ont pas encore acquis ce viseur additionnel. Alors, l'avantage, c'est qu'en mode photo, on va pouvoir mettre le petit viseur électronique pour avoir une bonne visée à l'œil. Et en mode vidéo, par exemple, dans un gimbal, là, on va pouvoir enlever le viseur et utiliser l'écran. Donc, il est de plus en plus fluide, ce boîtier. Parfait. On continue. Exactement. Donc avec, pour ceux qui vont acquérir le Sigma FP, une promotion intéressante, Damien. Oui, avec une double promotion pour ceux qui vont préférer choisir le boîtier nu et mettre les optiques qu'ils possèdent déjà en monture L ou avec des adaptateurs. On a une remise aujourd'hui immédiate de 150 euros. Et puis, pour ceux qui vont préférer prendre le kit qui est déjà disponible, ce boîtier FP avec le 45 mm f2.8 des GDN, à ce moment-là, ben, on a une remise plus conséquente puisqu'elle est de 250 euros. Alors, bien sûr, vous pouvez, malgré le rester chez soi actuel, voir avec votre revendeur préféré puisque par rapport à il y a un an, eh bien, je pense que l'ensemble des magasins sont restés en click and collect. Donc, vous pouvez les contacter par téléphone, par mail pour qu'ils puissent vous faire bénéficier de cette remise et vous livrer le kit, par exemple, qui du coup va être à moins de 2000 euros. Donc, c'est quand même très, très intéressant pour un boîtier plein format hybride. Eh bien, vous pourrez profiter de ce mois d'avril et de ce rayon de 10 km pour vous amuser avec ce beau boîtier. Alors, autre actualité, autre rappel, un replay visible sur la chaîne YouTube Sigma France. Et c'est toi qui as eu le plaisir d'interviewer Émilie Zangarelli. Oui, 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 ça a été un beau moment partagé avec Émilie Zangarelli. Ben voilà, une photographe de talent. Je vous invite à revoir sur notre chaîne YouTube Sigma. Je pense que Renaud le mettra dans le chat, hein, si vous voulez prendre après ce live le temps de regarder si vous l'avez pas encore vu ou si vous voulez le revoir. Cette belle discussion qu'on a eue avec un bel échange, et elle explique un petit peu vraiment son parcours et comment elle réalise ses photos, comment elle passe ses semaines à trouver des clients, à faire des rendez-vous, à faire ses photos. Voilà, donc c'était très intéressant à les retrouver sur la chaîne YouTube Sigma. Ce live. Tout à fait. Alors, là, cette fois-ci, c'est un live à venir. Ce sera le mardi 20 avril, toujours animé par toi, Damien, et ce sera avec deux photographes professionnels. Oui, avec Gardère et Domaine, hein, deux grands photographes du Sud-Ouest, avec une grosse spécialité qui est le mariage, mais pas que. Je vous en dis pas plus, je vous donne ce rendez-vous le 20 avril à 17h30, hein, c'est une heure habituelle hein, maintenant. Je vous en dis pas plus, mais il y aura de belles surprises avec une belle discussion encore avec ces deux compères. Et mon t-shirt du jour, c'est un petit clin d'œil au Sud-Ouest et à la Côte Basque, cher à Gardère et Domaine. Je les salue s'ils nous regardent actuellement. Alors,
Le thème de ce direct live questions-réponses, eh bien, c'est la photo nature chez soi, c'est possible, ou bien dans un rayon de 10 km, hein, selon les endroits où vous êtes, vous avez de beaux sujets à trouver en extérieur. Et pour cela, on a une gamme d'objectifs, soit macro, soit longue focale, que tu vas nous résumer, Damien. Oui. Hein, donc, depuis un an, effectivement, hein, on a déjà fait quelques lives, on a déjà parlé un petit peu de ces optiques macro et des longues focales. Là, on va refaire un petit résumé aujourd'hui. Pour ceux qui nous découvrent ou pour ceux qui ont envie d'un petit peu de se replonger dedans, il faut savoir qu'effectivement, que ce soit pour la macro ou pour ses longues focales, Sigma a un savoir-faire de plus de 60 ans maintenant en ingénierie optique et mécanique. On a une expertise de plus de 45 ans maintenant sur la conception des longues focales. Hein, on a été dans les premiers à sortir ce genre de produits. On a une gamme complète maintenant pour tous les besoins et pour tous les niveaux, hein, que ce soit pour de la photo amateur ou professionnelle. Comme moi, vous en verrez peut-être quelques extraits tout à l'heure. Exactement. Et puis, la qualité d'image, bien sûr, est au rendez-vous. L'ergonomie, tout ça, c'est toujours du haut de gamme, toujours pour vous aider à réaliser de belles images avec ce point d'orgue hein, où on est en Made in Japan, dans notre usine à Aizu, au Japon, où on sort et de la qualité et toujours avec de l'éthique. Et c'est très important en cette période depuis un an qui est bien troublée, puisque ayant une seule usine au Japon avec des fournisseurs qui sont dans un rayon de 300 km autour de l'usine, eh bien, on a zéro rupture aujourd'hui. On a réussi à fournir des optiques tout au long de cette année 2020 et en 2021, ce sera pareil. Voilà, le fait de ne pas avoir délocalisé dans des pays à bas coût, le Made in Japan, eh bien, aujourd'hui, nous en sommes récompensés puisque vous pouvez, sans aucun problème, acquérir vos optiques Sigma. Voilà, et bien sûr, bénéficier d'une garantie de 3 ans. Tout à fait, hein, c'est le Made in Japan, donc garantie 3 ans. Pensez à vous inscrire sur le site de Sigma France pour obtenir cette fameuse garantie de 3 ans hein, et d'avoir tous les services et le suivi de Sigma Global Vision. Notamment, par exemple, on peut dire les mises à jour qui sont possibles maintenant avec le doc USB, qui vous évite de renvoyer votre optique. Alors ça, c'est pour les optiques Sigma Global Vision, hein, Art, Sport et Contemporary, bien sûr. Alors, petit rappel de la gamme macro et longue focale, Damien. Oui, alors on a, comme on le voit sur ce slide, trois optiques macro. À chaque fois, on a des optiques qui sont dédiées réflexe principalement, ou dédié hybride, et le 70 F28DG est dédié au boîtier Canon uniquement, et puis aussi disponible pour les versions hybrides Sony en monture E et en L-mount. Le 105 macro, le F28EX DGOS HSM, hein, qui est une des stars, ou la star en tout cas des optiques réflexes macro. On la retrouve en monture Canon et en monture Nikon. Et puis on a le 105 macro F28 DGDN, donc dans la série R. Donc celui-là est dédié DN, hein, son nom l'indique directement, les initiales, Digital Neo, donc vraiment taillé pour les hybrides, et il est disponible à ce jour en monture Sony E, et puis en L-mount hein, pour Panasonic, pour Leica, et pour notre boîtier FP, et le futur, le FPL, qui va arriver sous peu. Alors, pour les longues focales, on a bien sûr, et je me fais un plaisir d'en parler, de l'annoncer, on a le 100-400 DG OS HSM de la gamme Contemporary, donc, qui est disponible en Canon et en Nikon. Et on a également maintenant le 100-400 DGDN Contemporary pour hybride en monture L et en monture Sony E. Pour le reste, je te redonne la parole, Damien. Ouais, voilà, je sais que j'avais envie de te laisser aussi parler de tes petits chouchous, les 100-400, les fabuleux 100-400. Mais on a aussi au catalogue, depuis quelques années maintenant, les deux 150-600
le Contemporary et le Sport, et on va en reparler tout à l'heure, hein, en version Canon et en Nikon. Et puis, le nouveau, un petit peu, bah, le nouveau chouchou, hein, le coup de cœur, c'est le 6600, hein, très polyvalent. Et d'ailleurs, je vois que dans le slide, il y a une petite faute, puisqu'il n'est pas en gamme Contemporary, mais il est bien, et je le précise, en gamme Sport. Et puis, le 120-300 f2.8 DGOS HSM Sport pour Canon Nikon, et le 500 mm, le f4 en série Sport, qu'on trouve en Canon et en Nikon aussi. Alors je vois que ton ami Jérôme Champagna demande le 180 macro. J'adore son humour, Jérôme, et il persiste, mais peut-être qu'un jour ça signera sur un 180. On n'en sait pas plus, Jérôme, pour l'instant. Alors, on va tout de suite attaquer par une question générique. Quel objectif macro pour mon boîtier si je suis en réflexe plein format ou APS-C d'ailleurs? Alors le premier, bah, c'est celui qui est le plus connu, le plus vendu pour l'instant. Il sera peut-être doublé par le 105 DGDN hybride, hein, bientôt, mais pour l'instant c'est celui-là, le f2.8 signé EX pour plein format. Il est stabilisé, il est motorisé HSM, il a un autofocus qui est à la fois rapide et précis. C'est la polyvalence, puisqu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien en macro, mais bien sûr pour faire du paysage, du portrait, hein. On en avait déjà parlé sur d'autres lives, et ça vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Sigma. On est sur de la qualité made in Japan, hein, fabriquée à domicile bien sûr, avec un piqué exceptionnel, et ce qui a fait aussi son succès. Et du coup, bah, on peut l'utiliser, bah, que ce soit pour un amateur, pour un professionnel. Faites-vous plaisir. Alors, le 105 DG EX Macro HSM, c'est la star. Et tu en as parlé tout à l'heure, le 105 2.8 DGDN, c'est sans doute la star montante, puisqu'il commence à être bien apprécié. Oui, c'est un produit qui commence à prendre des parts de marché, puisque l'hybride plein format, enfin l'hybride en général prend des parts de marché de plus en plus. Donc effectivement, ça va être l'optique phare qui va se retrouver dans les besaces et surtout sur les boîtiers et dans les mains de chaque photographe passionné par le macro. Oui, parce que là, on est plus dans le mode réflexe plein format ou APS-C, mais on est passé dans le mode hybride, hein, les nouveaux boîtiers. Et donc, il est disponible en L-mount et en Sony E. Oui. Hein, donc, on retrouve hein, la ligne avec la qualité signée art, qualité de fabrication toujours made in Japan. C'est toujours très bien fabriqué, c'est toujours très piqué. Tu l'as dit, c'est disponible en Sony et en L-mount. Du coup, ça peut être exploité sur du boîtier hybride. On peut rajouter aussi que ce 105, on peut lui mettre pour la monture L-mount uniquement le doubleur qui permettra d'avoir un rapport de grossissement de 2 sur 1, donc d'avoir un grossissement plus important. Et donc qui fait qu'un objet d'un centimètre sera sur le capteur, aura 2 centimètres, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors qu'en temps normal, le macro, c'est 1 centimètre égale 1 centimètre sur le capteur. Tout à fait, Bertrand. Alors, une autre optique également dans la gamme macro, le 70-28 DG, qui lui a la particularité d'être disponible pour du réflexe, mais également pour de l'hybride. Oui, en hybride, on le retrouve en monture E, Sony et en L-mount. Et pour le réflexe, on l'a sur la monture Canon. Uniquement Canon, pas en Nikon. Oui. Hein, donc avec une mise au point assez précise. Alors on est sur un rapport aussi de 1 sur 1 sur ce 70 macro et monté sur un APS-C, ça nous fait un équivalent d'un peu plus de 100 mm. Alors pour ceux qui aiment la macro et qui veulent en savoir plus, eh bien on les renvoie vers un live qui avait été fait l'année dernière par Nicolas Barret,
une formation photographie macro qui avait bien cartonné. Donc, vous allez la retrouver sur Facebook Sigma France ou sur la chaîne YouTube Sigma France. Ça avait été un des lives les plus vus l'année dernière. Donc, allez le revoir tranquillement. Quel objectif pour débuter en animalier? Est-ce qu'on accueille tout de suite notre invité surprise, puisque je vois je vois qu'il est impatient et je le vois dans à l'écran. Alors, en off, vas-y. On va pas faire durer le suspense encore un peu plus. On va accueillir quelqu'un qui jouit d'une certaine renommée dans le monde animalier. J'ai nommé Bastien Juif qu'on va voir. Voilà. Bonjour Bastien, ça va? Bonjour à tous, bah oui, ça va très bien. Je pense que quand tu as dit quelqu'un qui a une certaine renommée, il y a des gens qui devaient s'attendre à voir Vincent Munier ou autre, donc ils devaient être un peu déçus. Ah non. Ne te sous-estime pas, il n'y a pas de souci. Alors, on va continuer notre petit déroulé de slide, sachant que si tu veux intervenir, tu n'hésites pas. Pour apporter ton expertise sur ce que l'on va dire et sur ton rendu d'expérience, puisque nous, on cause beaucoup, mais toi, tu fais les photos. Avec grand plaisir. Merci de m'accueillir. Alors, on va revenir. Voilà, on va se mettre tous comme ça. Donc, on commence par chez nous, le best-seller, Damien, le 15600 Contemporary. Oui, qui est devenu le best-seller, qui est un produit très très qualitatif, très bien fabriqué, très bien fini, avec une qualité d'image qui est reconnue, hein, qui est très très haut de gamme. Les nombres de photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, comme Bastien, peuvent en témoigner. C'est un produit qui est plutôt léger, plutôt compact, donc vraiment prévu pour être emmené en billboard pour faire de la photo animalière à la volée, comme ça, sans trop s'encombrer. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, Damien. Moi, ce que j'adore avec cette optique, bon, déjà, sa qualité optique elle est très bonne. En plus, effectivement, le fait qu'il soit léger, c'est génial en billboard, mais pour autant… moi, clairement, je le limite pas à ça. Alors, en affût, c'est aussi un excellent outil. Clairement, les 150-600 mm en termes de focale, ça permet du coup d'avoir un range qui permet à la fois de faire des photos avec des ambiances, de pouvoir prendre un peu de recul, et puis ensuite de zoomer tout de suite en quelques secondes, en moins d'une seconde pour faire des plans serrés. Et à ce niveau-là, c'est clair que c'est des super couteaux suisses. Et finalement, quand en plus ils font le poids du 15600 Contemporary, c'est vraiment un super outil de travail. Alors, tu parlais de billboard par exemple, et nous on a une petite astuce dessus qui est ce petit log, ce petit curseur, Damien, qui permet de le loquer à différentes focales, justement quand on se balade, pour pas que l'optique tombe, hein, c'est ça, Damien? Exactement, là je l'ai à la main. Attends, je vais te mettre en gros plan. Voilà. Voilà. Hein. Donc ici vous avez le petit bouton qui va permettre de bloquer la focale quand on veut la bloquer fermée, mais elle va pouvoir aussi être utilisée, et ici on le voit, le petit point par rapport au trait, il suffit de se mettre devant et je vais bloquer mon optique directement, et là vous voyez je l'ai fixée sur 250 mm et elle bouge plus. Donc s'il y a un choc ou si je veux la déverrouiller, il suffit de tourner directement et ça va déverrouiller tout simplement. Donc il y a différents réglages également. Alors on va renvoyer les gens sur tous les lives qu'on a déjà fait qui expliquent en détail, mais on a les focus, les différents modes focus, autofocus, manuel override et manuel focus, le limiteur de plage d'AF, hein, sur toute la longueur, de 10 mètres à l'infini ou de 2,80 m à 10 mètres, la stabilisation sur les deux axes ou sur un seul axe si on fait à la main levée. Et par contre, tu vas peut-être en dire quelques mots sur la personnalisation, Damien. Oui, on peut customiser son optique comme on customise son boîtier,
par rapport à son travail de photographe, par rapport à ses besoins. Et on peut aller via un petit accessoire qui s'appelle le dock USB. Hein, on connecte son optique à son ordinateur par le logiciel Sigma Optimisation Pro. Et à ce moment-là, on va pouvoir régler notamment la vélocité de l'autofocus, la vélocité du stabilisateur aussi, suivant son boîtier, suivant son travail. Et puis, on va pouvoir aussi programmer de nouvelles plages autofocus qui peuvent être plus serrées. Quand on fait de l'affût, on peut dire, tiens, j'ai un animal qui vient se poser sur une branche toujours au même endroit et je sais que c'est à 8 mètres. Je vais pouvoir avoir une zone très serrée autour de ces 8 mètres pour gagner du temps pour la mise au point et gagner aussi de l'énergie. Je consommerai moins d'énergie. Enfin, mon boîtier consommera moins d'énergie à ça. Alors, on va continuer tranquillement. Voilà. Toujours bah, dans la belle qualité de fabrication, hein, on note la monture qui est en laiton chromé, donc qui est un matériau qui s'use très peu et qui assure un bon contact avec votre boîtier. C'est important parce qu'il y a quand même un certain porte-à-faux sur ce genre de longue focale. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, du Made in Japan, 100%, donc la qualité japonaise au rendez-vous. Ses points forts, tu résumes rapidement, Damien. Ouais, on l'a dit un peu. Si Fabien veut ajouter quelque chose, Bastien aussi peut le faire. Hein, donc, bah, effectivement, c'est un produit qui est peu encombrant, qui est facile au transport. Bastien l'a bien dit, hein, de pouvoir zoomer de 150 à 600, c'est très agréable avec une performance optique qui est superlative. Bah, je suis complètement d'accord. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter. Bah, je pense que bon, il est sorti en 2013, je crois, cette optique-là. Et depuis, bah, il fait l'unanimité, à part, bien sûr, on ne peut pas plaire à 100%. Donc, il y aura toujours quelques personnes qui diront qu'il y a tel ou tel problème. Mais dans la grande, grande majorité, et nous, on le voit quand on est, par exemple, au salon de Montier-en-Der. J'espère qu'il aura lieu cette année, hein, Damien. On aime bien ce salon. Ah, ouais, ouais. On a le retour en direct des photographes animaliers et en général, 9 personnes sur 10 sont très, très, très satisfaits d'un 150-600 Contemporary. On avait d'ailleurs eu un autre stand de Cédric Dupont en 2019, si je ne m'abuse, et il avait fait part de son petit voyage du Mercantour à la Méditerranée à la rencontre de la faune sauvage au 150-600 Contemporary. Pendant que je défile les photos, tu peux dire 2-3 mots sur Cédric, Damien ? Oui, c'est lui aussi un jeune photographe professionnel hein, qui habite dans le sud de la France. Et le Mercantour, bah, c'est aussi son terrain de prédilection. Et il avait pu réaliser avec son 150-600 Contemporary. Et lui aussi a fait le choix de prendre plutôt le Contemporary pour la compacité et la légèreté. Et voilà les belles images qu'il a réalisées. Moi, je suis toujours bluffé aussi bah, par le bokeh que procure ce 150-600. Aussi bien sur les oiseaux, regardez là, le bokeh est parfait, que sur des oiseaux plus échassiers. Alors là même, regardez, quand on voit je vais avec le curseur, là, les gouttes d'eau qui sont là, le piqué qu'il y a, donc c'est vraiment... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Bastien, au niveau du piqué, mais il est très, très bon, le 150. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une optique qui, finalement... moi, c'était quelque chose qui m'avait impressionné la première fois que je l'avais testé, celui-là, les sports. C'est que, finalement, on se retrouve avec des optiques qui ont un range qui est vraiment très important. Enfin, 150-600, c'est pas rien. Et qui, pour autant, ont vraiment un bon rendu sur l'intégralité, sur toutes les focales. C'est super impressionnant et ça permet de faire des photos en confiance, de ne pas avoir à se dire, comme ça pouvait être le cas sur d'anciennes optiques, ben, je dois plutôt privilégier les focales intermédiaires parce que finalement, quand je suis en extrême, c'est moins bon. Là, ce n'est pas le cas. Là, on a du piqué, quelle que soit la focale. Alors, évidemment, si on ferme un peu, on va en récupérer encore plus, mais déjà à pleine ouverture, on a quelque chose qui est très qualitatif. Parfait. Si on clique en même temps,
Ouais, bon, ça fait partie du charme de ces directs où on essaye d'amener à chaque fois des nouveautés. Et donc, c'est la première fois que sur un question-réponse, on reçoit en direct un photographe. On s'excuse auprès de Bastien pour les petits couacs qu'il peut y avoir dans la présentation. Mais voilà, on essaye d'innover et c'est aussi la marque de Sigma depuis un an maintenant de vous présenter des lives avec à chaque fois une nouveauté, une amélioration pour les rendre le plus qualitatif possible et le plus intéressant possible. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vas pouvoir te présenter un petit peu, Bastien, en même temps que je vais défiler quelques photos. Alors là, ben, c'est intéressant parce qu'en plus, ce sont des photos qui sont issues du test que j'ai publié sur mon site web sur justement sur les 150-600. Parce que j'avais testé en même temps le contemporary et le sport. Donc moi, je suis photographe, je suis dans le nord de la France. Je suis photographe depuis maintenant un petit peu plus de 15 ans, spécialisé dans la faune sauvage, comme on peut le voir ici avec beaucoup de photos d'oiseaux. Et puis, que dire de plus ? Ben, je ne sais pas. Je vais te poser une question puisqu'il y a Jérôme Lomalier qui nous pose une question sur l'AF, la différence entre le 150-600 version sport et celui du contemporary. Est-ce que toi, tu as noté une différence notable entre les deux AF ? Alors, bah, c'est une bonne question. On pourrait s'y attendre, hein, rien que par les dénominations. On pourrait se dire que le sport est beaucoup plus rapide. Moi, clairement, je n'ai pas vu de différence, j'en ai pas ressenti. Après, clairement, tous les tests que je fais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des tests sur le terrain, donc d'emmener les optiques dans mes conditions de travail, que ce soit de la bibo, de l'affût fixe, de l'affût flottant ou autre, et puis de voir comment ça se comporte. Donc, je fais pas, comme peut le faire un chasseur d'images, par exemple, des tests sur banc pour chronométrer exactement l'autofocus. Mais en tous les cas, moi, mon ressenti, c'est que je ressens pas de différence. Et alors, en plus, pour celui qui veut vraiment avoir quelque chose de vraiment très fin et d'encore plus réactif, et Damien l'expliquait très bien tout à l'heure, il y a le doc qui permet clairement aussi d'optimiser. Typiquement, oui, je voyais la question, c'était a priori pour du sport, du sport. Là, clairement, en allant affiner ses réglages avec le doc, ça permet de se focaliser justement sur les distances qui nous intéressent et d'avoir quelque chose qui est encore plus réactif. Oui, surtout que Jérôme Lomalier, c'est pour du sport, je pense, du sport mécanique sur circuit. Donc là, ça peut être très intéressant puisque les voitures passant toujours au même endroit dans un virage, par exemple, on peut précisément régler sa plage d'AF facilement. Plus facilement qu'en animalier où le sujet est un petit peu plus bougeant, vraiment. Il est moins prévisible, ouais, c'est ça. Voilà. Là, tu avais fait un petit état du grossissement, ouais. En fait, du rapport de grossissement. Tout à fait, ce qui permet vraiment de voir. Alors là, ce n'est pas l'exemple le plus représentatif, puisqu'on est déjà sur un sujet très précis. Je n'ai pas photographié un paysage, mais clairement, oui, c'est là qu'on voit à quel point la différence est forte, 250 à 600 mm. Et tu l'utilises sur plein format ou APS-C d'ailleurs ? Tiens, une petite question. Alors moi, j'utilise plutôt des pleins formats. Aujourd'hui, mon premier boîtier, c'est notamment un 5D Mark IV, mais j'utilise aussi un DX et puis d'autres boîtiers. Mais j'ai abandonné l'APS-C en fait depuis que je suis passé sur la série 5D. Enfin, surtout depuis que les 5D, et notamment depuis le 5D Mark IV, depuis qu'ils ont un autofocus qui est largement au niveau de ce qu'on pouvait avant trouver sur un 7D Mark II, par exemple. Très bien, très bien. Alors là, on va passer à mon optique favori. Moi, qui suis alors pas du tout à ton niveau, moi, je représente la grande foule des photographes, ce que j'appelle familial de base. Hein. On a l'appareil, on fait des photos de famille, quelquefois on fait des animaux. Et je trouve que le 100-400, lui, me convient très bien parce qu'il est beaucoup plus compact et plus léger que le 150-600. Et comme je fais beaucoup de randonnées à pied, bah, il est vraiment très, très bien. J'ai pas
je suis pas spécialisé dans l'animalier, donc j'ai pas forcément besoin du plus gros grossissement. Et comme moi, je l'utilise sur un APS-C, eh bien, ça fait un équivalent 150-600. Et voilà, il fait 1 kilo et il est à peu près de la taille d'une bouteille d'eau, donc dans un sac à dos, ça prend vraiment pas de place et c'est très facilement transportable. Tu nous parles un petit peu des téléconvertisseurs, Damien, parce que c'est vrai qu'on a oublié, même sur le 150-600, on peut mettre DTC 1401 ou 2001. Oui, on peut mettre ces deux téléconvertisseurs, un multiplicateur 1,4 et un multiplicateur x2. Alors après, on va, dans certains cas, suivant le boîtier qu'on va utiliser, perdre l'AF. On sera mis au point manuel hein, si on n'a pas un boîtier professionnel, mais si on mettait ça avec un boîtier, un 5D Mark IV, on peut mettre jusqu'à un x2 et l'AF va suivre sans problème. Et ça, c'est intéressant puisqu'on peut passer d'un 200 à 800 avec le multiplicateur TC2001. Donc, les points forts, bah, j'en ai parlé, hein, léger, compact, agile, idéal en mobilité, performance sans compromis. Tu l'as utilisé, Bastien ? Oui, moi, j'ai eu l'occasion de le tester justement sur 5D Mark IV et globalement, je le trouvais plutôt sympa. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément un range qui m'intéresse le plus. C'est un peu court pour les oiseaux sur plein format, si on prend cet exemple. Mais pour autant, effectivement, pour celui qui cherche une optique pour l'accompagner sur de la rando, de la balade, c'est un compromis qui est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, moi, c'est tout à fait. Tu résumes tout à fait ce que j'ai dit. Donc, je suis content de ton analyse. Très bien, comme ça, je ne dis pas trop de bêtises pour commencer. Ouais, non, mais personne ne dit de bêtises. Nous, chez Sigma, on est la bienveillance, c'est la base et toutes les infos, toutes les remontées sont intéressantes à entendre. Et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs des remontées terrain qui ont permis d'améliorer, de passer un cap sur un télézoom dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà quelques photos 100-400 qui ont été faites par différents photographes hein, qui ont posté entre autres sur le groupe utilisateur Sigma, Damien. Oui, hein, et ben voilà, justement, n'hésitez pas à poster vous aussi vos images, quel que soit votre niveau. Effectivement, là, ben, c'est des images qui sont parfaites et qui sont très belles. Mais comme vous le voyez, quand nous on fait nos lives le dernier jeudi du mois en ce moment, les coups de cœur, on poste aussi des photos. Plus ou moins bonne, plus ou moins réussie, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose à en sortir, une émotion. La dernière fois, c'était celle d'un renard avec les 4 heures d'affût et que bah, la photo, elle n'est pas tout à fait parfaite, mais voilà, il y a une émotion et c'est ce qu'on aime aussi et c'est ce qu'on aime voir partager. Donc, n'hésitez pas. Je précise d'ailleurs que le prochain coup de cœur, ce sera normalement le jeudi 22 avril, donc dans 15 jours. Voilà un petit écureuil. Alors là, vous remarquez, hein, c'est une photo très classique. En fait, c'est moi qui ai fait cette photo ce week-end en campagne pour vous montrer un petit peu comme tout à l'heure, on avait pris l'exemple avec Bastien sur un chardon pour avoir la différence de grossissement entre le 150 et le 600. Et bien là, j'ai fait la même chose avec le 100-400. L'âne qui est devant vous est à 50 mètres de moi à peu près, et là je suis au 100 mm sur un APS-C, donc un équivalent 150. Et sur cette photo, je suis à 400, donc équivalent 600 en APS-C. Voilà un peu ce que ça permet. Alors c'est vrai que pour un oiseau, s'il y avait un oiseau sur le poteau, ce serait sans doute un peu trop petit. Et puis je pense qu'un photographe animalier comme Bastien dirait qu'on ne prend jamais un animal de dos, mais bon, c'est comme ça. Après, tu peux, ça dépend de ce que tu cherches à montrer avec ton image, hein, le message que tu veux faire passer. Tout à fait. Non, là, c'était vraiment juste pour voir l'écart de focale pour voir ce que ça donnait. Effectivement, pour des gros animaux comme un âne, ça va. Pour un oiseau, c'est un petit peu plus compliqué. N'hésitez, c'est ce que Damien a expliqué, hein, n'hésitez pas à demander des retours d'expérience auprès de la communauté hein, sur le groupe, en rejoignant le groupe des utilisateurs Sigma sur Facebook. On s'est lancé un petit challenge, Damien, je crois, c'est d'arriver à 10 000 abonnés
Et je crois que là, on est au-delà des 9000. Donc, encore un petit effort, n'hésitez pas. Voilà, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et puis faites des émules. Et puis, on va passer cette barre fatidique pour notre petit challenge. Et c'est un bon moyen de commencer à montrer vos photos dans un esprit de bienveillance. Il y aura des critiques positives pour aussi faire progresser chaque photographe dans sa pratique journalière. J'ai une petite question de Jean-François Barrière qui possède une optique Sony et puis qui hésite à acheter un 100-400 DGDN pour faire de la photo de sport. Et il demande par contre au niveau portrait, que donne-t-il? Le 100-400 DGDN supporte les 61 millions de pixels, donc ça c'est vraiment très bien. C'était, je crois, Damien Bernal qui avait fait le test au premier confinement, puisqu'il sortait à ce moment-là. Pour faire du portrait, il a aussi cette nouvelle fonction que possèdent ses boîtiers avec le eye tracking. Donc, je pense que c'est idéal et que ça sortira un joli bokeh aussi. Donc, Jean-François, n'hésitez pas à aller voir votre revendeur habituel. Alors, il y a une question, mais je pense que Bastien y répondra tout à l'heure. C'est Jérôme Lomaillet, toujours, qui nous demande le 6600 est-il meilleur que le 15600 sur un full frame? Sur un full frame, donc ça, on va voir ça avec Fabien, avec Bastien tout à l'heure. Oui, et puis il y a Pascal aussi qui demande sur un R5, R6, le 6600. Comme on sait que, voilà, on peut le dire, tu as pu le tester, tu pourras y répondre tout à l'heure. Tout à fait. Oui, ça c'est la petite surprise qu'on vous réservait, c'est que Bastien est avec nous aujourd'hui pour vous parler de son retour après avoir testé toutes les optiques longue focale sur un boîtier hybride Canon R6, hein, c'est ça? R5, mais sinon c'est R5, pas. D'accord, pardon, excuse-moi. Est-ce que quand même, Damien, tu peux redire si une optique plein format est compatible avec un APS-C? Oui. Effectivement, c'est bien compatible, hein, puisque on peut tout ce qui est produit annoncé DG plein format peut bien sûr se mettre sur un boîtier APS-C réflexe dans la monture Canon ou Nikon ou dans la monture quand c'est disponible, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, qui peut le plus peut le moins. Donc, avec une optique DG plein format, on peut le mettre sur un APS-C. Par contre, une optique APS-C ne peut pas aller sur un plein format. Sauf cas particulier, si on peut cropper, si le boîtier accepte de passer en position APS-C, hein, sur certains réflexes, c'est possible. Mais autrement, dans ce sens-là, non. Alors là, on va attaquer le vif du sujet, ce pourquoi Bastien nous a rejoint. Les optiques Sigma fonctionnent-elles sur les hybrides Canon via la bague officielle? Alors, vas-y Fabien, vas-y, voilà. Tout à fait. Une très bonne question. Alors déjà, avant tout, pour pouvoir faire ce test, je voudrais remercier vous, Sigma, je voudrais remercier aussi le réseau Profot et spécifiquement le magasin de Lille, puisque c'est vous tous qui avez contribué à ce test en me prêtant tout le matériel que j'ai utilisé. Et du coup, c'est une question que je me posais depuis un moment, depuis la sortie du R5, du R6 et de la bague, l'adaptation EF vers RF. Je me demandais vraiment comment ça réagissait sur toutes les focales. Donc j'ai pu en tester 6 ou 7, je ne sais plus exactement, mais en gros du 70 mm macro jusqu'au 500. Ben voilà, vous les avez toutes là à l'écran. Et donc j'ai testé avec un R5. Pourquoi avec un R5 plutôt qu'avec un R6? Parce que je voulais aussi les mettre au défi du capteur de 46 millions de pixels du R5. L'intérêt c'était vraiment de voir si avec ces nouveaux boîtiers, si les utilisateurs actuels d'optique Sigma EF pouvaient y aller sans crainte, et si ceux qui possèdent déjà du coup un R5 ou un R6, si ça valait le coup justement de s'équiper, de continuer à s'équiper avec ce type de boîtier, avec la bague d'adaptation. Donc j'ai préparé toute une vidéo de retour d'expérience qui sera mise en ligne sur YouTube, sur ma chaîne ce soir, dans la foulée de ce live vers 18h30. Alors, je peux déjà spoiler le résultat de cette vidéo, mais sans trop rentrer dans le détail du coup. Mais oui, ça fonctionne, ça fonctionne même très bien. Et moi, j'ai été impressionné par le fait que finalement,
grâce à cette bague, le fonctionnement il est complètement transparent. Et donc le fait en plus d'utiliser ces boîtiers, tout à l'heure on parlait de l'eye tracking et des nouvelles technos qui apparaissent de plus en plus dans les autofocus, ça permet d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment extrêmement bien et d'avoir des résultats qui sont très bons. Je montre dans la vidéo que vous pourrez voir sur ma chaîne pas mal d'images de tests. Voilà, on a vraiment des rendus et des résultats qui sont super qualitatifs. On va pouvoir d'ailleurs montrer quelques photos, mais juste, tu utilises d'habitude un 5D R4, un 5D Mark IV Canon. Oui. Donc, comme ça, rapidement, qu'est-ce que tu dirais de différence entre un hybride et un réflexe, puisque justement, tu as utilisé les deux? Alors, ça m'embête parce que du coup, je vais dire tout ce que je raconte sur la vidéo que je mets en ligne tout alors, à l'heure. Ce sont des boîtiers qui sont très similaires si on compare à R5 avec un 5D Mark IV. La différence majeure, elle est effectivement dans le viseur. Quand on a passé, comme moi, toute sa vie à shooter avec des réflexes, ça fait quand même très bizarre de commencer à shooter avec des hybrides. Moi, je trouve qu'il y a une distanciation qui se crée, surtout quand on photographie de la faune, avec son sujet, quand on le regarde dans une télé, finalement, plutôt que directement à travers les verres de l'optique. Donc, ça, c'est quand même un changement d'usage qui est pas si simple. Moi, je dois avouer que j'ai encore du mal à m'y faire. Pour autant, clairement, l'hybride, et notamment les R5, R6, ce sont des outils qui sont dingues pour le photographe animalier. La rapidité de l'autofocus, la précision de celui-ci, que ce soit en reconnaissance de sujets simples ou en eye tracking, en reconnaissance de l'œil, ça fonctionne super bien, notamment avec les oiseaux. Moi, ça m'a impressionné à plus d'une reprise. Les capteurs sont très très bons. Donc, non, aujourd'hui, voilà, de toute manière, on le sait bien, hein, les constructeurs de boîtiers sont en train d'abandonner petit à petit les montures réflexes pour se focaliser sur les montures hybrides. Je pense qu'on ne perd pas au change, il faut juste, faire ce petit travail personnel de s'y faire. Là, on a pu voir des images qui ont été prises au 6600 et celle-ci au 15600 Contemporary avec le R5. Et on voit bien que on est sur des images qui sont petites en résolution là pour le streaming, mais on est sur des choses qui sont vraiment super qualif, hein. Il y a aucun doute là-dessus. Ce sont des images qu'on peut utiliser avec le capteur du R5 pour faire des tirages géants sans le moindre scrupule. Voilà, donc ça répond un petit peu à la question de Pascal Broquet qui demandait le 6600, ce que tu en pensais sur un R6 ou un R5. Voilà, tu... Ah ben ça marche, ouais, ça marche vraiment super bien. Celui qui a peur de perdre en rapidité, en vélocité d'autofocus en passant d'un réflexe à un hybride, quand bien même il est équipé en 1DX, en 5D4 ou des boîtiers qui sont vraiment très véloces, clairement, enfin, il ne verra pas la différence ou même mieux, il verra une amélioration en utilisant un boîtier hybride Canon. Et Renaud a déjà mis le lien sur ta chaîne, donc dès la fin de ce live, vous pourrez aller rejoindre la chaîne de Bastien et voir en détail son retour d'expérience sur les optiques Sigma utilisées avec un R5 et la bague officielle Canon. Exactement. Et donc là, cette photo-ci, c'est avec le 500 F4. J'avoue que moi, c'est en termes de rapport focal ouverture de toute la gamme sport, c'est mon optique favorite. Et on le voit ici. Le piqué sur la photo originale, vous êtes obligé de me croire sur parole, est dingue. La netteté sur l'œil est parfaite. Et on a un très joli bokeh. Pourtant, on peut le voir sur la lumière qui arrive sur ce héron. On était sur une journée qui était très couverte. Donc la vitesse ne doit pas être folle, on doit tourner autour du 400ème de seconde pour cette image à main levée et pour autant ça fonctionne extrêmement bien. Je vais revenir peut-être sur les premières que tu n'as pas commentées. Celle-là on l'avait voilà,
Celle-là, tu l'avais fait avec le 150, non, 6600, tu l'avais dit. Celle-là, elle est faite au 6600, ouais, 6600. Ouais. Au 6600 Sport. On doit être à 600 mm sur cette image. Pareil, on a. Alors là, c'est intéressant, cette image est intéressante puisqu'on voit que les arbres sont relativement proches. Pour autant, voilà, on a une ouverture qui permet quand même d'avoir suffisamment de flouté, un bokeh qui soit suffisamment dilué pour pouvoir vraiment se focaliser sur l'oiseau. Et on a ce petit effet 3D qui est aussi dû aux couleurs, au blanc pétant de cette aigrette garzette, qui permet vraiment de la faire ressortir de l'image. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver en détail dans quelques instants sur la chaîne YouTube toute l'explication du retour d'expérience. On va continuer et profiter de la présence de Bastien pour répondre encore à des questions si vous en avez. N'hésitez pas sur le chat. Damien surveille tout particulièrement le chat et en même temps il va pouvoir nous parler des convertisseurs de monture qui sont un petit peu ce que Bastien a utilisé avec le R5 dans le convertisseur de la bague Canon. Oui, hein, voilà, donc ça permet la M11 permet de pouvoir recevoir toutes les bagues EF à monter sur les boîtiers plein format ou APS-C chez Sony en monture E. Et la MC21 va permettre de recevoir ces mêmes montures EF sur les boîtiers à destination des L-Mont, donc de Leica, de Panasonic et bien sûr de notre boîtier, le FP et le futur FPL. Après, selon le degré d'exigence de chaque photographe, certains trouveront que tout marche très bien, d'autres auront peut-être des petits détails parce qu'on le précise quand même. On traduit, moi, ces convertisseurs de monture permettent de traduire un langage Canon Reflex en un langage Sony ou Elmond. Donc, des fois, on peut pas forcément traduire à 100%. Ce qui est moins le cas, par exemple, sur les optiques Canon utilisées avec la bague sur les R ou chez Nikon avec la bague Z, puisqu'on est dans un langage de marque à marque. Une optique Sigma, monture Nikon ou une monture Canon sur un boîtier Canon ou une monture Nikon. C'est à peu près ça, Bastien, j'ai pas trop dit de bêtises. Alors, il fallait suivre, mais oui, c'est à peu près ça, clairement. Voilà, il y a David Lopez qui remet « Eh oh, je vous ai posé une question, les gars, vous pouvez me répondre ». Sa question, je l'ai retrouvée, elle était en tout début de prise de parole et il demandait si il était possible de faire un objectif 100-400 en ouverture 2.8. Je peux répondre, je peux m'avancer en disant « Oui, bien sûr qu'on peut tout fabriquer, on a bien fait un 200-500 qui ouvre à 2.8 ». Pourquoi pas faire un 100-400 2.8, mais quand on sait que notre 200-500 fait de mémoire 17 ou 18 kilos, quel est l'intérêt, quel est l'avantage, parce que c'est plus compliqué à trimballer. Voilà, mais je pense qu'en termes d'optique, rien n'est impossible ou peu de choses sont impossibles. Après, il faut que ce soit commercialement rentable ou viable ou pour un utilisateur transportable et utilisable surtout. Voilà. Et comme rien n'est impossible, nous, on a quand même réussi à sortir deux optiques qui sur les mêmes focales, 150-600, un Contemporary et un Sport. On va passer une petite vidéo pour commencer et Bastien pourra nous donner son ressenti entre les deux. Thank you.
Damien, tu vas pouvoir nous dire un petit peu, justement, à travers ces images, la différence de conception entre le 150-600 Contemporary et le 150-600 Sport. Oui, alors effectivement, et là on le voit bien au niveau de ces images, d'une part ben, le 150-600 qui est en finition tout métal, et là je l'ai là pour vous le montrer. Là, ici, fabrication tout aluminium, il a des joints toriques, il est vraiment de… Ouais, je le ressors, hop, voilà. Donc ça, c'est le corps en aluminium du 150-600 Sport. Le 150-600 Contemporary, lui, est en polycarbonate. Le 150-600 Sport, ayant les joints toriques, on le voit ici sur la vidéo qu'on vient de vous passer, peut supporter et de la pluie et des poussières. C'est un produit qui est beaucoup plus extrême, un produit qu'on peut vraiment emmener et barouder vraiment de partout. Alors après, on sait que les 150-600 Contemporary, quand nous on les sort pendant Montier-en-Der et que certains jours il pleut, ils ne craignent pas trop la pluie non plus. Mais après, il existe aussi des protections tout le temps pour pouvoir sortir avec des optiques moins protégées, on va dire. L'avis de Bastien, l'avis du pro. Moi, je l'ai un peu déjà donné tout à l'heure entre les 250-600. Enfin, je suis désolé, c'est peut-être pas très bon pour vos marges, mais moi, je préfère le Contemporary pour son poids. Et finalement, la différence de qualité optique, moi, je la perçois quasiment pas. Pour moi, les deux sont d'un excellent niveau. Et clairement, ce gain de poids, il est super appréciable. Alors évidemment, pour celui qui cherche une optique avec une tropicalisation plus avancée pour pouvoir le sortir par tous les temps, oui, là, ça peut être intéressant d'investir dans un sport, mais mon chouchou, pour le coup, ça reste le Contemporary. D'accord. Alors, j'ai un petit souci, on ne cache rien ici, j'ai un petit souci avec le PowerPoint. On va essayer de passer à la slide suivante, mais non, j'ai un petit blocage. Je suis passé en… on va essayer de régler ça. Damien, je te laisse un petit peu la parole avec les questions. Attends, moi, je vais essayer de reprendre la suite. Sinon, on en était où? Ici. Et moi, je vais essayer de faire un partage d'écran. Si et je vais veux. Pouvoir le partager. Partageons. Et le voilà. Je suis là, voilà, c'est moi qui est là. Voilà. Alors, je vais... Donc, on en était sur les points forts du 150-600 Sport. Là, on est sur… Non, sur le 160-600. Donc, on est sur le 160-600 déjà. Voilà. Alors, j'ai peut-être été trop loin dans le… Non, c'est bon. Non, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Parfait. Et voilà. Ça y est. Donc, son point fort, effectivement, c'est cette plage extrême. Moi, toi, Bastien, il disait plutôt que lui, il était sur le 150-600 Contemporary. Moi, j'ai aussi un coup de cœur sur ce produit-là, le 160-600, parce qu'il est vraiment extrême. On commence à 60 mm et que on peut partir aussi… pour faire en photo de sport la photo de l'équipe, et puis après aller chercher le sujet lointain à l'autre bout du stade. Et j'imagine qu'on s'était rencontré aussi, Bastien, sur des meetings aériens. Et effectivement, quand on voit la patrouille de France qui fait son éclaté, au 60, c'est plus facile qu'au 150-600. Alors moi, c'est vrai que j'ai plutôt ce coup de cœur pour ce produit-là. Et ce que j'apprécie aussi, et… j'en avais discuté avec un autre photographe animalier qui est Dominique Delfino, qui possède ce 160-600. Lui, il adore cette qualité de fabrication, il adore ce piqué. Et la petite fonction qu'il aime bien aussi, c'est qu'à 200 mm, on peut le loquer, comme je vous ai montré tout à l'heure, et qu'à 200 mm, on a une mise au point mini qui est à 60 cm. Donc, il peut aussi réaliser des photos de proxy photos d'insectes ou de fleurs.
Alors, bah, pour aller aussi dans ton sens et peut-être un peu plus loin, justement, si on s'amuse à comparer le 150-600 sport et le 60-600 sport, pour le coup, je choisirais le 60-600. Alors, déjà, pour le range qu'on gagne, parce que tu l'as dit, alors moi, je fais aussi de la photo aéronautique et clairement, pouvoir sur un meeting, notamment passer de 60 à 600, c'est super intéressant. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai noté à mon usage. Alors, moi, je fais beaucoup de mains levées. Je ne suis pas fan de trépied. Et je trouve qu'en termes d'équilibrage, je préfère l'équilibre que je vais avoir avec le 6600 qu'avec le 150-600 finalement. Donc ouais, 6600, c'est une super optique, c'est clair. Oui, c'est vrai que on a été sur les meetings aériens puisque on fait partie, on accompagne la FOSA aussi pour depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai repris la main, Damien. J'ai repris la main sur PowerPoint. Et à la FOSA, je pense qu'on va pouvoir se retrouver début juillet à Cognac pour un meeting. Bon, je pense que la situation sera améliorée. Et le 6600 est très intéressant, notamment quand il y a la patrouille de France, pour faire un éclaté ou pour zoomer. On passe très facilement de 60 à 600 et ça permet de suivre sans problème des évolutions telles que la patrouille de France. Alors, normalement, on doit continuer. Voilà. Et on revient sur nos optiques, les longues focales. Quel objectif de 8 conseillez-vous avec mon réflexe, Damien? On a alors le premier, c'est le 70-200 F28 DG OS HSM. Hein, donc, c'est une version qui est sortie pour une version réflexe Canon et Nikon. Il est stabilisé et il fait vraiment un job intéressant. C'est un produit qui est fabuleux, qui est très résistant, qui est rapide au niveau de l'autofocus. Je pense que Bastien, lui, il l'a bien testé. Il peut en parler mieux que moi. Ouais, mais alors j'avoue que alors 70-200 c'est pas une focale que j'utilise énormément. J'ai fait dans le passé un peu de photos sportives, donc à l'époque j'en utilisais plus. Aujourd'hui c'est plus rare. Je me suis pour autant quand même amusé avec le 70-200 sport et c'est clair qu'en termes de la qualité optique et du niveau des autres dernières sorties de chez Sigma, donc très très bonne. Mais j'ai trouvé que l'autofocus était encore meilleur que celui des Super TV, que du 150-600 ou du 500. Donc, ouais, vraiment, je pense que pour un photographe sportif notamment ou un portraitiste qui cherche ce type de range, c'est vraiment intéressant. Et Renaud nous a mis un lien sur ton Facebook avec des photos Bastien Juif Aircraft Photographie. Donc vous pouvez aussi aller voir le travail de Bastien autour de l'aéronautique. Dans les autres focales en 2.8, on a le 120-300 et je crois que tu as Damien un photographe qui l'utilise facilement et souvent. Oui, c'est notre ami aussi, Joël Brunet, hein, qui est dans le Jura, qui est un photographe professionnel et qui possède ce 120-300 F28 DGOS HSM. De mémoire, lui, il est, si je dis pas de bêtises, sur un boîtier Nikon. Mais peut-être que j'ai une bêtise. Hein. Enfin, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Hein. À ce niveau-là, on n'a pas trop de choix sur les boîtiers réflexes. Mais le 120-300, ben ouais, il l'utilise tous les jours et il a fait quelques livres aussi. On en avait déjà parlé. Peut-être que Renaud va reposter son adresse aussi pour si vous voulez retrouver le live ou revoir son travail. Et c'est une optique qui est intéressante, surtout dans des conditions de lumière très basses, du fait de sa grosse ouverture. Oui, je crois d'ailleurs Allez. qu'il a fait, je crois qu'il a fait plusieurs livres, notamment sur le budget et sa faune. C'est ça. Voilà, et je m'étais bien trompé, donc c'est bien qu'il est en Canon et pas en Nikon. Alors, on n'oublie pas et on n'oublie quand même pas le 500 F4 qui est l'optique amirale de la flotte Sigma. Voilà, et tout à l'heure, hein, c'est Sébastien qui disait qu'il l'adorait, donc je vais te laisser terminer, Bastien. Il est là. Oh, Ah, bien il est là. joué. Ouais, non, bah alors, enfin, moi, c'est. De toute manière, pour le photographe animalier, la focale 500 mm, c'est un peu la référence. C'est une focale qui permet de faire tous les sujets, de tous les traiter.
À F4, ça permet d'avoir plein de lumière qui rentre, donc de pouvoir travailler tôt le matin, tard le soir. Alors, surtout avec les boîtiers les plus modernes qui montent à des sensibilités dingues, c'est encore plus le cas qu'avant. Et puis en termes de bokeh, voilà, 500 mm à F4, on a des images, on a un bokeh qui est super dilué, donc des images qui sont vraiment très esthétiques. Et puis avec cette focale, il n'y a même pas besoin de se poser la question. On peut shooter à pleine ouverture tout le temps. Voilà, on est déjà, on a déjà un piqué qui est parfait, ben, comme sur la photo de Héron qu'on a vu tout à l'heure, où là j'étais à F4 et où la netteté sur l'œil est juste parfaite. Et Philippe Bois sur le chat confirme que même avec un D850, donc avec l'autre marque, les jaunes, Nikon, le 500 F4 a un piqué de fou. On va revenir sur le PowerPoint. Je te laisse faire la petite manip, Bastien. Non, je le fais. J'y vais, hop. Hop, ben voilà. Et donc, à votre tour, des questions. Bon, il y en a déjà eu, on a répondu au fil de l'eau, hein, finalement. On n'a pas attendu la fin. Est-ce qu'il Il y a Fabio Rocha qui pose sa question sur un boîtier hybride avec un R5 et qui trouve qu'avec son 6600 à 600, il voit que sa photo n'est pas nette. Alors, je suis étonné puisque sur de l'hybride, la mise au point se faisant sur le capteur, on peut pas avoir un problème de back ou front focus. Ça peut être tout simplement lié à une mauvaise utilisation et sûrement un choix d'obturateur de vitesse trop faible, et ce qui fait qu'il y a un petit flou de bouger, ça peut être ça. Ou sinon, bah, après, il faudrait se retourner auprès de son revendeur pour voir s'il n'y a pas un souci quelconque. Mais voilà, je ne sais pas toi ce que tu en penses, hein, puisque Bastien, toi, tu as pu le tester, tu as sorti tout à l'heure, on a vu une photo qui était ultra nette, à 600. Il est là aussi, tu vois, le 6600. Non, bah alors moi je l'ai jamais constaté à 600 mm de moins bon en termes de netteté. Après, c'est clair que c'est quelque chose que, en fait, le fait que maintenant ces focales, ces très longues focales qui avant étaient vraiment réservées à certains super télé, finalement maintenant elles sont accessibles à tout le monde, ce qui est génial. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est pas si facile que ça finalement de faire une bonne ou une très bonne photo à 500 ou à 600 mm. Il faut de la vitesse. On a toujours la fameuse règle du 1 sur la vitesse qui nous donne déjà une base. Donc, c'est se dire que c'est dur de réussir une bonne photo à 600 mm avec une vitesse inférieure au 1/600, même si la stabilisation aide beaucoup. Et on parlait des boîtiers hybrides. Maintenant, bah, typiquement, avec un R5, il y a à la fois la stabilisation du boîtier et la stabilisation de l'optique. Donc, on réussit quand même à descendre très bas. Pour autant, il y a aussi la vitesse de son sujet. Donc, les flots de bouger peuvent arriver vite. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais c'est clair que le plus simple, c'est encore d'aller poster des photos sur le groupe d'utilisateurs Sigma pour demander des conseils et des avis. Et je pense qu'en fonction des sujets, des conditions de prise de vue, il y aura sûrement pas mal de monde qui pourra l'aiguiller. Et Damien et Bastien, je pense qu'on peut aussi rappeler la règle de base. La vitesse ne doit pas être inférieure à la focale. C'est ça, oui, c'est le 1 sur la focale. C'est que idéalement, voilà, avec un 500 mm, on ne descend pas en dessous du 1/600, avec un 600 en dessous du 1/600. Bon, cette règle, c'est ce que je disais, c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec la qualité des stabilisations optiques et des boîtiers. Mais pour autant, ça reste quand même une règle qui est intéressante d'avoir en tête. Ça peut éviter des ratés. Oui, parce que descendre au 60e, même avec un 500 avec les optiques, ça fera sans doute. Ça se fait, mais il ne faut pas qu'à ce moment-là, c'est le sujet qui ne doit pas trop bouger non plus. Voilà, tout à fait. Donc, exactement. Si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller voir sur la chaîne Facebook de Bastien. Je pense que. Il donne pas mal d'informations. Peut-être qu'à l'avenir, on le retrouvera dans un direct live pour nous donner quelques trucs et astuces sur la photo nature. En attendant, bah, ça fait déjà 1h10. Je pense qu'on va pouvoir clore ce direct live. Merci en tout cas, Fabien. C'était une première, donc avec ces aléas techniques. Hein, j'en suis un petit peu désolé, mais on a été très heureux de te recevoir.
tu vas mettre ta vidéo dans les instants qui viennent, je crois. C'est ça. Le temps de raccrocher, et puis je partagerai la vidéo. Même si tu m'as appelé Fabien à plusieurs reprises, je vais quand même le faire. Non, c'est que je pense à chaque fois à un de mes clients qui fait de la photo et qui s'appelle Fabien. Et Fabien Bastien, je plaisante. Je confonds un petit peu. Pourtant, vous n'avez pas tout à fait la même barbe, mais bon. C'est mais bon. En tout cas, on a bien vu que Bastien, ce soir, l'avait bien affûté, sa barbe. Il est tout beau. C'est un réel plaisir de t'accueillir, en tout cas. C'est toujours des chouettes moments partagés. Et c'est ce qu'on aime aussi, faire partager à ceux qui nous rejoignent sur les chaînes YouTube, entre autres. Pensez à vous inscrire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Ouais. Merci Bastien, on retrouve Damien le 20 avril et nous on se retrouve Damien et moi-même le 22 avril, donc vous avez tous les rendez-vous sur nos réseaux sociaux, donc Renaud va faire le nécessaire. Merci à tous et à très bientôt, au revoir.